résumé vous est proposé par Heineken et Mastercard, sponsor de l'UEFA Champions League. Attention à Haaland. Haaland pour donner côté gauche. Avec énormément de monde, une frappe et c'est dégagé cette fois-ci. Mais voilà, encore un danger. Et un début de match très intéressant du Borussia Dortmund. Oui, vraiment très très bon début de match des Allemands. Là, force est de constater qu'ils ont franchi un cap. Hein. Alors, c'est souvent comme ça quand on vante les mérites d'une équipe, elle finit par perdre le ballon, elle s'expose à un risque et notamment à un but avec au deuxième poteau Mahrez en retrait. Voilà le but, Kevin De Bruyne, première occasion digne de ce nom et la punition pour Dortmund, KDB 1-0. Oui, ça part d'une paire de balles d'Emre Can, vous l'aviez dit, et puis après c'est limpide, hein. De Bruyne qui accélère, isole sur la gauche Foden qui trouve Mahrez. Mais c'est Dortmund qui donne le but. Oui, c'est Dortmund qui donne le but, mais après, bon, ça reste limpide. Évidemment, une passe qui, a priori, est facile, beaucoup trop téléphonée. Et puis là, c'est évidemment mortel pour... on est à du 4 contre 4 ici. Ouais, complètement déséquilibré. Ouais, 4 contre 4, oui, tout à fait. Et c'est évidemment ce genre de situation. City, c'est une des meilleures équipes au monde. Oula, ça va être but, ça va être but. Et non, parce qu'il y a une faute qui est signalée. J'aimerais revoir... Là, Ederson qui rate vraiment son contrôle et il prend le ballon et puis c'est Ederson qui le jette dedans. Hein. Oui, tout à fait. Il n'y a pas de faute. Bon, pendant ce temps-là, il y a un match qui se poursuit. Et à Manchester City, pour la première fois finalement dans cette Ligue des Champions 2020-2021, on a été un peu bousculé et on joue face à un adversaire qui est quand même... d'une autre carrure, si je puis me permettre l'expression, d'une autre envergure que ceux qu'il a connus avant. Il est parti Haaland pour aller marquer. Haaland, et non, c'est Ederson qui remporte le duel. Je pensais franchement qu'il allait l'égaliser. Oui, certainement. Là, évidemment, il est totalement dans son registre. Hein. Là, lancé en profondeur, en pleine vitesse par un superbe travail de Daoud. Hein, il faut quand même le préciser. Et là, homme contre homme, il se débarrasse au physique de son défenseur et là en un contre un. Maintenant méfiance aussi, hein. On dit qu'un quadruplé est possible. Si au final vous n'êtes que champion, il y aura fatalement un goût de déception. Bien sûr. Mais d'ailleurs, Guardiola l'a répété avant le match contre Mönchengladbach, hein. Ne veut pas entendre parler du quadruplé. Kevin De Bruyne dans le grand rectangle. Ce ballon retrait, ça va être but. Oh non, c'est sauvé. C'est sauvé par Hitz. Oh, quelle occasion! La balle du 2-0! Ouais, presque la balle du match. Hein. Balle de match de Foden, là. Et encore une fois, presque similaire dans le dernier tiers, là. Kevin De Bruyne qui se démarque bien, qui entre dans les 16 mètres, et là, qui trouve à chaque fois par ses passes en retrait. Là, Dortmund a beaucoup de mal à défendre ce genre de phase. Aujourd'hui, n'a pas non plus été une prestation inoubliable à part des Citizens. Et pourtant, ils sont peut-être prêts à en marquer en deuxième avec Kevin De Bruyne juste à côté. Allez, Foden qui revient là pour balancer ce ballon en direction de De Bruyne. De Bruyne qui a pu dévier d'ailleurs. Quelques minutes pour aller chercher l'égalisation. Haaland qui donne un super ballon à son capitaine. L'égalisation, la voici, la voilà. Oh, qu'il est mérité ce but. Haaland à l'assist, Reus pour égaliser. Un but partout, Dortmund va peut-être le faire. But mérité, hein. Oh.
bon ballon ça. Bon ballon et la suite maintenant, Foden. Foden pour le 2-1. Et il n'est pas spécialement heureux parce qu'il sait que son équipe est toujours dans une situation délicate, malgré le 2-1. Mais 2-1, c'est mieux que 1. Ce résumé vous a été proposé par Heineken et Mastercard, sponsor de l'UEFA Champions League.